Een dromedaris op de Anspachlaan? Je ziet het niet elke dag. Onze special guest bracht voor zijn videoclip een stukje woestijn naar België. Toen ik hier de eerste keer kwam, zag ik de fonteinen d'eau. En ce qui est rare chez nous, parce que dans le désert, il n'y a pas assez d'eau. Et que ici, l'eau, c'est comme une décoration. Et en plus, avec la pluie, tellement il pleut beaucoup, beaucoup. Si vraiment c'était dans le désert qu'il pleut comme ça, les gens ils seront très contents. Moi, je suis né au Niger, à Agadez. Je suis Touareg. C'est une identité. Une culture, un mode de vie. À l'époque, en fait, il y a eu un problème parce que le peuple Touareg est un peuple qui est marginalisé, oublié dans les déserts. Moi, je me suis exilé avec ma famille parce qu'il y aura une guerre, il y aura une rébellion. Voilà, on est parti jusqu'à Libye. J'étais à faire une formation militaire pendant un an. Je n'ai jamais participé à la guerre parce qu'on était jeunes, tous les jeunes ils restaient dans les camps. Les soirs, il y a des jeunes qui jouaient la guitare et tout. J'ai échangé mon fusil contre ma guitare parce que c'est une arme qu'on peut en fait combattre avec. C'est une arme qu'on peut parler de la paix, de l'avenir. À travers la musique, je pense qu'on peut changer beaucoup de choses. Je suis arrivé en Belgique parce que mon ex-femme elle est belge, donc on s'est rencontrés au Niger, donc on est venu ici s'installer. Donc j'avais 26 ans ou 27 ans comme ça. J'ai commencé à chercher les musiciens. On a commencé un projet avec Le nom du groupe, c'est Kelassouf. Kelassouf, ça veut dire ceux qui vivent dans leur nostalgie. J'ai commencé mon groupe dans l'objectif de faire connaître ma culture, faire passer les messages de mon peuple qui vit dans les déserts, que je suis une sorte d'importeur de messages. En tant que musicien, je ne chante pas juste pour la culture touareg. Je chante pour tout ce qui est injustice, soit ici, soit chez nous. Prendre un dromadaire et faire circuler dans Bruxelles. D'amener les déserts dans une ville, une capitale européenne, c'est un message très fort. Et aussi faire en fait un pont entre de là où je viens et ici. Donc les messages, c'est montrer l'ouverture l'un vers l'autre. Donc ça, pour moi, c'est très important de voir la vraie image de l'autre.